Vénérable maître Yakim Yarabed, qu'en est-il donc de Bouddha? Bouddha, est-ce que Bouddha est le Christ? Bon, en ça, le mot Bouddha vient du mot caché, le caché. On peut donc appeler le caché l'absolu, puisque le caché est infini. Le caché est infini. On découvre aujourd'hui, mais il y a encore quelque chose qui se cache. Hein? C'est le voile du Christ. Le Bouddha est le voile. Hein? Comment je peux dire? Ce qui est caché dans l'univers. D'où le Bouddha est infini. En ça, ça s'explique voile, caché, auquel on médite pour trouver. Il faut que le bouddhisme, les bouddhistes connaissent, sachent l'explication du mot véritable du mot Bouddha. Ce n'est pas un état qu'on atteint. On va pour atteindre. Comme on parle de Siddhartha Gautama, hein? Mais c'est le voile de la création. Le Bouddha est le voile de la création. Le Bouddha est le voile de l'univers. Le Bouddha est le voile du cristal, donc du Christ, auquel on médite pour découvrir. À chaque méditation, on découvre seulement un once petit trésor dans l'infiniment grand. C'est pour cela que ça se résume avec la méditation, parce que les anciens l'ont bien donné, l'ont bien notifié. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les anciens l'ont bien notifié. Le mot Bouddha vient du mot Ibuta, en ça. Ibuta, qui veut dire le caché. Le caché des cachés. Ce qui est caché, auquel on part chercher une seule, on part chercher une chose pour le trouver. On se retrouve encore en train de continuer. Puisque ça ne finit pas. Vous voyez, donc le Siddhartha Gautama est donc le chef de l'humanité. Le Aïssu, le Yihushua, soit. Vous voyez, le Yihushua, hein, qui a donc l'essence. Auquel la connaissance commence par lui. Donc c'est le même personnage. C'est pas deux personnages. Le Yehoshua et le Siddhartha Gautama forment la même personne. Alors, si et seulement si la religion allait se définir à ce niveau, on allait bien s'entendre que le Yehoshua et le Siddhartha Gautama forment la même personne. Il devrait avoir compréhension auquel il n'y a pas de domination. De façon que l'un est dans le secteur de rechercher ce qui est, comment je vais dire, de percer le mystère qui est dans le voile.
Donc la méditation, j'ai expliqué ce que c'est que la méditation. Vous voyez, mais il cherche qui? Il cherche, il entre pour percer, pour trouver les trésors qu'on appelle Christ. Qui est infini. On ne peut pas trouver le trésor infini, mais on va seulement vers l'infini, c'est tout. C'est pour cela qu'il est dit, il est donc vu qu'on ne peut pas aller avec ce corps. On va avec l'âme. C'est pour cela que la méditation est créée. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Encore une autre question? Oui, Vénérable Maître. Maintenant, pourquoi utiliser les différents noms? Est-ce que c'est toujours pour nous expliquer, nous montrer ce que nous devons faire pour arriver? Je suis perdu, nous sommes perdus avec ces différents noms et ces différentes explications. Bon, c'est l'état des tribus, l'état des langues, l'état du langage. L'état des tribus, l'état des races, l'état des langues. Tout commence par les langues. Quand les langues se divisent, sont divisées, ils forment beaucoup de... Chacun prend un nom de l'ensemble qui forme l'unité. Un seul nom global qui est là, qui est global, se scinde en plusieurs. Forme plusieurs noms et se scinde en plusieurs... En plusieurs formes, en plusieurs modalités. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Encore une autre question? Non, on va venir à mettre. Merci beaucoup.